sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Avec moi. Ouais, super. Salut YouTube, bienvenue sur Mélophile. Je m'appelle Mélanie et c'est moi qui tiens cette chaîne YouTube. Ici, on parle de tricot, de laine, de crochet, de couture. Et maintenant, on va parler de métier à tisser, de tissage. Comme je vous ai dit la dernière fois, ma grand-mère, elle m'a offert pour Noël un métier à tisser Ashford. Que j'ai reçu, donc vous allez voir juste maintenant la réception du métier à tisser et l'assemblage des premières pièces. I'm sorry, I don't want to be an emperor. That's not my business. Comme vous l'avez vu, moi j'ai pris le métier à tisser Ashford de pliable parce que j'habite dans une petite maison et que j'ai pas non plus trop de place. Et qu'on peut plier le métier à tisser avec le tissage à l'intérieur et je trouvais ça hyper pratique pour quand je me déplace, sachant que je vais régulièrement passer des semaines de vacances, enfin des jours de vacances chez ma grand-mère ou chez mes parents ou en van. On verra si mon copain est d'accord que je l'amène en van. En tout cas j'ai le tricot au cas où. Mais déjà pour le moment il faut que j'apprenne à ourdir mon métier à tisser et donc je suis totalement débutante. J'ai regardé des vidéos, je vais vous marquer en bas les vidéos que j'ai regardées et je me suis aussi acheté un livre qui est celui-ci. C'est le guide complet pour s'initier au tissage avec un peigne à tisser à peigne en vergeur. C'est de Petra Marcignac. Donc, pour le moment, j'ai juste lu le début. Et ça m'a l'air plutôt clair, bien expliqué. Là, j'ai choisi mon projet. Et c'est pour ça que là, je vous prends rapidement avant de commencer mon projet. Parce que je voulais vous montrer les laines que j'ai choisies. Et aussi le patron que j'ai choisi. Avant de commencer, j'ai oublié de vous dire, moi j'ai choisi un métier à tisser de 50 cm et j'ai acheté en plus deux peignes, donc avec celui qui vient d'origine, c'est un 3-10, donc 3 fils par centimètre, et moi j'ai acheté un 4 fils par centimètre et un 5 fils par centimètre parce que dans ce bouquin, en gros, il y a des projets qui sont faits avec et qu'elle dit que c'est... les plus classiques quoi, le 4 fils par centimètre, elle dit que c'est le plus classique et après 5 fils c'est pour des fils plus fins et étant donné que moi j'ai beaucoup de fils fingering, ben je trouvais que c'était nécessaire d'avoir ce peigne. Encore une fois je suis débutante là, donc je vous dirai après si c'était effectivement les peignes qu'il me fallait. Donc pour les laines, donc je suis allée dans la boutique de laine paysanne et je vous en parle juste après ça. Et je me suis ramenée, alors déjà celui-ci, je l'avais acheté à Toulouse dans leur pop-up de Noël qu'ils ont fait. Donc c'est de la laine mérino et donc c'est la laine de pays quand même. Hein. Mérino, couleur sorte de... marron clair, de gris, marron beige, un petit mélange de plein de couleurs.
Et c'est, du coup, j'ai eu plein d'explications sur comment étaient faites les laines et tout. C'est la laine de leur race de mouton mérino, dont je me rappelle plus le nom. Mais du coup, il est un peu plus doux que les autres. En fait, les couleurs, donc c'est du deux fils. C'est exactement la même gamme de grosseur de fil, mais ce n'est pas le même mouton. Ici, on est sur une couleur gris, grisin, et pareil, c'est toujours du deux fils, donc c'est du fingering. Il y a pour 100 grammes, on a 390 mètres, et ça se tricote avec des aiguilles 2 à 3. Donc là, il y a 75% de laine tarasconnaise, donc de Tarascon, qui est une ville en Ariège. Donc des moutons, je suppose, de la race locale. Et il y a 25% de mérino. Et dans le celle-ci, il y a plus de mérino, mais j'ai pas l'étiquette là. Il faudrait que j'aille regarder sur leur site. Mais voilà ce que ça donne. Donc je vais faire une écharpe avec ces deux laines-là. Et donc l'écharpe, je l'ai prise dans le bouquin celui-ci. Et je vous la montre tout de suite. Donc c'est une écharpe à franges. Je vais me faire cette écharpe-là. Cette écharpe qui normalement a difficulté débutant, temps nécessaire 8 heures. Donc 8 heures pour faire une écharpe, c'est quand même relativement rapide. Et surtout qu'elle est assez longue, l'écharpe. Dimension finale de l'écharpe, 38 centimètres par 190 cm, donc c'est quand même une belle écharpe. Et donc là je vais apprendre à faire une toile simple, à ourdir, déjà ça va être pas mal. Et regardez comme elle est trop belle. Moi elle sera pas comme ça parce que moi j'utilise des laines de pays, des laines assez, déjà qui ne sont pas bariolées, qui sont neutres, mais j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de tisser avec celle-là. Donc, vous aurez sûrement quelques images après de si j'ai réussi à ourdir ou pas et de mes débuts en tissage. Et autre chose dont je voulais vous parler, comme vous devez vous en douter, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais allée dans la boutique de Laine Paysanne. Donc, c'est une boutique qui se trouve à Saverdun. Donc, c'est une ville qui habite, qui est pas très loin de là où vivent mes parents. C'est dans la campagne, hein. Quand on y va, il faut. Enfin, on y va pour ça, quoi. Et franchement, ça donne trop envie. Donc, je suis dans la boutique où il n'y a que des femmes qui travaillent. Et elle devait être 6 ou 7. Donc, il y a des bureaux. À côté, il y a la boutique. Et il y a des grandes baies vitrées en plein soleil. Ça doit être très agréable pour y travailler. Elles m'ont expliqué. Donc, j'ai pu voir des métiers à tisser, mais des grands métiers à tisser. Où elles font les tapis. Donc, on peut acheter, en gros, sur la boutique de laine paysanne en ligne, vous pouvez acheter soit des tapis directement faits, des objets faits, des pulls faits, des chaussettes. Moi, j'ai des chaussettes d'ailleurs. Je vous les montrerai la prochaine fois que j'ai acheté de chez eux. Ça fait un moment que je les ai. Je les mets pour faire de la rando et tout. Elles sont hyper solides. Bah, à l'époque, je ne savais pas tricoter, donc je m'étais rabattue sur ça. Et là, le jour où on est allé, il y avait une dame qui était en train de tisser un tapis qui était magnifique, vraiment. Et puis le métier à tisser était tellement énorme. Elle m'a dit qu'il avait fallu 2 jours. En fait, sur un, il avait fallu 3 jours pour l'ourdir. Et sur celui qu'elle était en train de faire, c'était peut-être 2 jours. Mais vous imaginez, pendant 2 jours, enfin, vous ne faites pas votre projet, quoi. Vous êtes juste en train de passer des fils. Enfin, la quantité de travail que c'est. Après, vraiment, ça avait l'air d'une super bonne qualité. Et la laine, elle était, enfin, couleur naturelle et tout. Ça donne vraiment du charme, je pense, avoir un beau tapis comme ça, brut chez soi. C'est le charme chic, un peu. Je sais pas comment. Je vous en avais parlé la dernière fois, le brut chic. Bref, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser avec les images que j'ai tournées là-bas. Ciao, ciao! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
retrouve aujourd'hui avec un petit peu plus de temps et je viens de regarder la vidéo que j'ai tournée il y a deux jours, non c'était hier, quand j'ai reçu le métier à tisser et clairement j'étais surexcitée à l'idée de le recevoir et de l'avoir enfin entre mes mains que je pense que ça s'est vu. J'ai expliqué comme j'ai pu un petit peu presser mais ouais, enfin, j'étais tellement contente de pouvoir le tester et je l'ai testé et il est trop bien, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Et aujourd'hui, je voulais un peu revenir sur tous les projets que j'ai pu continuer depuis la dernière fois. Donc, le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet que je fais en cale avec ma mère. Donc, c'est le pull Célestine de Massimi qu'on fait toutes les deux en même temps. Et en gros, j'apprends comme ça à ma mère à lire un patron déjà en français et aussi je lui apprends à tricoter avec des aiguilles circulaires parce que c'est là que j'avais fait. Et d'ailleurs on a bien rigolé parce que ma mère elle est un peu du genre à dire non c'est bon j'ai compris hein. Elle tricote, elle avait fait 4 ou 5 rangs de son pull et j'ai dit mais maman t'as fait les jetés au mauvais endroit, c'est quoi, pourquoi t'as des trous là? Du coup la pauvre elle a du tout détricoté et tout recommencé, enfin pas tout jusque là. Enfin, on avait fait le col doublé. Après, on a dû remonter jusque là où elle s'était trompée. Elle a tout défait, elle est repartie sur de bonnes bases. Donc, je vous laisse tout de suite avec les images de son pull et du mien à côté. Alors, là, c'est le pull Célestine que ma mère, elle est en train de faire. Donc, on a fait le... Enfin, elle a fait le col. Je l'ai aidé à rabattre le col et à tricoter ensemble pour faire un col double. Et là, elle a commencé à faire son raglan. Donc, c'est un raglan assez simple hein, avec un jeté. Mais c'est pas mal pour débuter. Donc, elle tricote dans les laines de chez Drops. Et elle, il lui reste ça de sa pelote parce qu'en fait, elle s'est trompée. Le raglan avec les anneaux marqueurs, elle le faisait Ça, quand elle faisait son jeté, elle décalait son anneau marqueur et du coup ça avait tout décalé. Donc j'ai dû tout défaire avec elle, enfin tout défaire jusqu'à à peu près là. Et après on a repris et là vous voyez que son raglan il est plutôt pas mal. Et moi j'en suis un peu plus loin. Donc moi aussi je le fais dans les laines de chez Drops. Et j'ai pas eu trop de difficultés pour le faire, donc j'ai fait pareil. J'ai fait un col double, mais moi, le mien, il est un peu plus moins épais que le sien. Elle a fait de 10 cm, je crois, mais c'était pas ce qu'il fallait. Elle a fait un peu trop long. Et moi, je l'ai fait 1 cm de moins. Et moi, il y a mon raglan qui est ici. Mais clairement, là, les aiguilles sur lesquelles mon pull est, ça ne va pas, quoi. Mais je n'ai pas de câble, autre câble disponible, donc pour le moment ça va rester comme ça. Et donc là la prochaine étape ça va être de finir le raglan, donc on doit faire chacune de nos répétitions parce qu'on fait pas la même taille. Et la prochaine fois qu'on se voit du coup on séparera les manches du corps, donc c'est pas mal, ça avance pas mal. Du coup vous avez pu voir qu'on a bien avancé sur les pulls et que la prochaine fois qu'on se verra normalement si elle ne fait pas d'erreur on pourra séparer les manches du corps. Donc pour le moment, moi le mien, je crois qu'il me reste une répétition à faire et après je le laisse en dormance et je le reprendrai quand je verrai mes parents, donc dans un mois. Comme je vous ai dit, hein, c'est un pull qui est sur le long cours et du coup, bah vous allez le voir longtemps sur la chaîne. Mais il est cool, la laine est cool, elle est douce, puis elle est bien... Enfin, elle prend sa place quoi, parce que je tricote en aiguille 5 mm et franchement, c'est nickel. Ensuite... je vais vous parler de mes tricots que j'ai ici. Donc le premier tricot que je vais vous remontrer, c'est un pull que je fais. Donc c'est un pull un peu de reste. Enfin c'est pas des restes mais de laine que j'ai qui m'énerve en fait. J'en ai marre de les voir dans mon stock de laine. Du coup ben je me suis dit allez je les tricote. Donc il est là, donc j'ai séparé les manches du corps. Je ne sais pas où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai présenté. J'en étais peut-être au même stade. Donc on va voir si pendant ce vlog il va avancer. Donc je rappelle les laines. Donc la grise, c'est de la laine paysanne, de la 6 fils, couleur gris.
Et d'ailleurs, vous avez vu juste avant que j'ai visité les ateliers de chez Laine Paysanne. Et ils en ont encore hein, de cette laine. Et enfin, vous pouvez en trouver très facilement. Et en plus, c'est de la laine qui vient de mon pays. Donc, je suis très contente de l'utiliser. Et donc, ensuite, les laines, les autres laines. J'en ai deux autres. Donc, c'est la Lanea. La Lanea que j'avais acheté chez Noz, donc c'est un magasin où ils font de la revente de choses qui se sont pas vendues. Et j'ai deux couleurs, j'ai un vert et un sorte de marron clair, ocre, beige. Je sais pas comment définir cette couleur. Et en gros, ça fait un... Si mes calculs sont bons, j'ai fait un yoke en répétant... En faisant 5 rangs de chaque et en faisant revenir le gris plusieurs fois entre chaque ligne parce que j'avais plus de gris que des autres. Et pour le moment, il me reste 2 pelotes de verte et 2 pelotes de beige. Tout ça de la grise et encore 100 grammes que j'ai rangé à l'étage de la grise. Donc j'en suis très satisfaite de ce pull. Projet facile, zéro cerveau. Rien à dire. Après, je vous l'avais dit, j'utilise le patron de Olga Putano dans son livre Tricot Yoke, mais au lieu de faire un jacquard, en gros je fais juste les augmentations où elle les dit de les faire et moi je fais mes lignes. Et bah, ma foi, c'était plutôt une bonne idée. On verra quand il sera fini, mais je pense que ça m'ira très bien. Là je l'ai essayé, il me va un peu près du corps. Mais j'espère que, étant donné que c'est de la grosse laine, que ça se détende un petit peu. Donc voilà, j'espère qu'il va avancer. Et je le range toujours dans mon tote bag de chez Lil Weasel. Qui est pratique hein, pour ranger des gros ouvrages comme ça. Parce que avec toutes les pelotes que j'ai à l'intérieur, il y a quand même du stock. Voilà. Donc il faut bien que ça rentre. Ensuite, autre projet qui a bien avancé, c'est mon... Enfin, bien avancé. Qui a avancé. C'est mon jacquard en fingering. Donc, c'est exactement la même designer qui fait le patron que le patron d'avant, que j'ai modifié. Mais cette fois-ci, avec du fil fingering. Donc, c'est un patron, il me semble que c'est le modèle Finlay. Si c'est pas ça, je le corrigerai là. De Olga Putano qui est dans son bouquin Tricot Yoke. Et donc là j'ai fait mon col, j'ai fait mon rang raccourci et je commence à faire le dessin. Donc j'ai fait, je suis hyper lente pour faire le jacquard. J'ai besoin d'être concentrée, je ne peux rien faire d'autre à côté. Donc je trouve que les couleurs elles vont aller, enfin elles vont trop bien ensemble. Là j'en suis au rang 10 du jacquard sur 40. Donc je pense que j'ai encore du travail là-dessus avant de faire du zéro cerveau. Mais je trouve qu'il va être trop beau. Et puis en fingering comme ça, ça sera la première fois que j'aurai même, je pense que dans mes pulls de acheter dans le commerce, enfin, non mais j'ai pas de pull en fingering comme ça aussi fin. Donc on va voir, j'espère que je vais le porter et qu'il sera pas trop froid ou non, je pense qu'il va être bien. Donc voilà pour ça, je vous le remonte parce que j'en suis trop fière. Et je le tricote dans de la Jawol. Le coloris de la Jawol, je n'en sais rien. Est-ce que c'est ça? Oui, non, du tout. Mais c'est un violet assez vif. Et la deuxième, c'est de la sur la rive côté laine. Et c'est sa couleur forêt. Et dedans, il y a de la soie. Donc, c'est hyper doux. C'est une base hyper noble. Et d'ailleurs, quand je la mets au soleil, elle est un peu brillante. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé ce modèle pour associer cette laine. En fait, ça va bientôt faire un an que j'ai acheté ces écheveaux parce que je les ai achetés aux vacances de printemps dernier quand j'étais en Bretagne.
Et bah, du coup, ils seront restés un an dans mon stock, quoi. Et ils sont déjà consommés. Donc, voilà pour ça. Et avant de vous laisser avec le reste du vlog, je vais quand même vous montrer où j'en suis de mes chaussettes cœur, même si je pense pas forcément les avancer là prochainement. Mais bon, c'est quand même un plaisir pour les yeux, on va dire. Donc c'est des... j'ai passé le talon, mais j'en suis exactement au même point que quand je vous ai quitté parce que j'ai pas travaillé dessus depuis. Et il me reste à faire le pied et la pointe. Je le tricote dans les laines de Longyearn 1000 coloris Sock and Lace Luxe. Et le numéro de coloris 859-0051. Donc ça c'est pour celle-ci. Et pour celle-là, c'est de la Longyearn aussi. Et de la Sock Alpaca. Et c'est la couleur noire. Donc je sais pas si ça va avancer. En tout cas, si j'ai envie de tricoter dessus, elles sont là disponibles et je peux les attraper quand je veux. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu là maintenant, rapidement, de mon métier à tisser. Je vais aller le chercher, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis et ce que j'ai pu faire déjà dessus. Alors, donc le voilà, il n'est pas très grand, il fait... Enfin, il est grand quand même, hein. Il fait 50 cm. Et je l'ai utilisé, donc hier j'ai ourdi tous mes fils et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que la laine que j'ai choisie, donc c'est de la laine paysanne, c'est leur qualité de fil, donc c'est une fingering, elle n'est pas du tout faite pour le tissage. En gros, j'avais déjà tout fait, j'avais passé tous mes fils et tout. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, je vais vérifier si c'est solide, mais juste après avoir tout fait quoi. Donc je commence à tirer un fil et là je me rends compte que qu'à peine en tirant, mon fil il se cassait. Donc là je suis comme ça en train de tisser, sachant que c'est la première fois de ma vie que je tisse, que je suis totalement débutante, que s'il faut je fais des mauvais gestes, que j'abîme ma laine et tout. Et j'espère que je ne vais pas faire de bêtises en tout cas. Pour le moment, je touche du bois. Je n'ai pas cassé de fil et je suis vraiment très satisfaite du rendu de mon tissage. Donc, je vous ai présenté les laines l'autre jour. Donc là, c'est ma navette où dessus j'ai mon fil. Donc, je vais faire une écharpe avec un fil uni. Je ne vais pas faire très compliqué pour la première et avec des matières un peu rustiques. Ensuite, là, vous devez voir mon tissage. Et en fait, je m'installe comme ça le soir, là, hop, et je peux passer des heures à tisser. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça me fait reposer le poignet. Je sais pas si vous me suivez depuis un certain temps, mais si c'est le cas, vous savez que j'ai souvent mal au poignet. Et donc là, ça me permet de faire une autre activité en rapport avec de la laine. Et faire des choses aussi totalement différentes, avec un look totalement différent. Et mon copain m'a déjà commandé une écharpe. J'ai envie de faire pour ma mamie des sets de table aussi en coton, je pense. Enfin bref, j'ai déjà 4 ou 5 projets en liste d'attente sur le métier à tisser. Donc il me tarde là de finir ce projet déjà pour avoir vraiment le rendu final du projet. Et d'ailleurs, pour ce projet-là, j'utilise toujours le même livre sur le métier à tisser. Et j'utilise aussi mon peigne de 4 fils par 10 cm. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait suffisamment de fils pour pas qu'il y ait de trous, quoi. Que le tissage il soit assez serré. Moi, j'aime pas trop quand ça fait... Quand il y a des trous dedans, que c'est trop transparent. Parce que je trouve que ça fait un peu les gros sacs à patates, là, en jute. Et bref... Donc là, pour le moment, je suis satisfaite. J'espère que ça va être bien, quoi, que je vais rien casser. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi si le tissage, ça vous intéresse. Et pour voir si je mets tout... Enfin, si j'intègre le tissage dans mes discussions au fil de la semaine. Ou si plutôt, si vous aimez pas trop ça, ben, peut-être que je le mettrai plus en fin de vlog.
Mais pour moi, c'est quand même plus pratique de vous en parler au moment où je le fais parce qu'après, je suis capable d'oublier des trucs. C'est totalement mon genre. Et on a fini la partie du métier à tisser. Maintenant, je vais vous laisser avec une petite visite de mon petit atelier que j'ai installé progressivement dans la chambre d'amis. Je dis progressivement parce qu'à la base, en fait, je n'étais pas censée avoir un atelier. Mais un jour, j'ai récupéré une vieille table, une vieille planche, et j'ai dit à mon copain, non, mais c'est provisoire. Donc j'ai installé ça, et en fait, progressivement, là, j'ai acheté une armoire que j'ai mise, vous allez la voir, et là, clairement, je pense que ça va rester comme ça, sauf qu'on a des gens qui viennent dormir, on pourra juste plier la table et la mettre contre le mur, histoire qu'ils aient un peu de place, mais je suis super contente, quoi. J'ai enfin un endroit dédié à ma passion. Et du coup, je vous laisse avec les images et je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans mon atelier avec mon acolyte qui est ici. Et comme je vous disais, je voulais vous montrer un petit peu mon atelier, mon organisation. Et donc là, en gros, c'est là où je vais coudre surtout. Et là où je stocke mon matériel de tissage, de laine, de blocage, tout ça. Donc on va faire un petit tour un peu de l'atelier. Il n'est pas très grand parce qu'en gros, je partage cette partie-là avec le lit qui se trouve à gauche, là. Et aussi, on a une grande armoire, là, où c'est un peu notre garage. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est plutôt cette partie-là. Donc la première partie, là, on a mes deux dernières acquisitions. Donc c'est de la laine pour tisser, que j'ai acheté à la boutique Laine Paysanne, et je voulais déjà sûrement présenter. Derrière, on a mes tapis de blocage. C'est des tapis que j'ai acheté Action, donc c'est des tapis de piscine normalement, et en vrai, ils font très bien le travail. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Donc, il faut, pour mettre les choses droites, il faut quand même bien mesurer tout ça, mais en vrai, ça se passe très bien. Donc c'est ce que j'utilise, j'en ai un bon paquet là derrière. Après devant, j'ai le fer à repasser parce que si je veux bloquer au fer, c'est toujours utile. Ici, c'est la grainothèque de mon copain, c'est moi qui lui ai fait. Donc là, en gros, à l'intérieur, il y a toutes nos graines qu'on stocke aussi ici. Et moi, je l'ai profité des tiroirs de la grainothèque pour y mettre mes deux bloqueurs à chaussettes. Donc le premier, c'est un taille 37, donc je crois que c'est les Mid Pro. Et le deuxième, c'est un taille 42, je sais plus quoi. Mais voilà, c'est les deux tailles que j'utilise. À côté, j'ai un sac où en gros, à l'intérieur, je mets toutes les étiquettes à laine. Donc là, c'est ce que j'ai, en gros, tout ce que j'ai pu tricoter. Donc. Après, il y en a qui ne sont pas là-dedans. Donc il y a à la fois des laines, des étiquettes à laine comme ça, mais j'aime bien. Comme ça, à la fin de l'année, je vois tout ce que j'ai pu tricoter. Ensuite, ici, donc ça, c'est mon organisation de couture. Donc, dans chaque caisse, il y a un projet couture qui est déjà découpé ou alors au moins le patron est découpé, mais qui va être probablement rapidement sous ma machine à coudre. Et en haut, donc j'ai mon dévidoir qui s'est un peu cassé la binette. C'est pas grave. C'est un Chiagou qui est pas trop mal. Je le trouve un peu petit pour les grands écheveaux. Des fois, je trouve que je galère un petit peu. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il faut pas l'attacher à une table. Et j'ai qu'à le poser quelque part et c'est pratique. En dessous, j'ai du coup mon dévidoir. C'est un dévidoir Knit Pro avec le bois, je crois que c'est du bois de rose coloré comme ça. J'avais flashé dessus. Et en vrai, il est vraiment très très bien. Des petites plantes. Ensuite, en dessous, on a une partie de mes bouquins de tricot. Et les bouquins de tricot, j'en ai 3 ou 4 dans mon énorme sac à projet qui est là en bas. Ici, quelques laines. Elles sont pas toutes là parce que j'en ai aussi en bas en déco. Mais j'en ai. Les précieuses, en gros, je les mets là, ou celles que je veux voir qui me plaisent vraiment beaucoup, je les mets ici. Ensuite, de ce côté-là, on a. Là, j'ai c'est du coton, je crois, pour me faire un outline tee de Jessie Made Design. Je me rappelle plus exactement le nom, mais voilà, je sais pas quand je vais le faire, mais pareil,
J'ai mon petit stock là. Là, j'ai des laines que j'avais. Enfin, c'est pas du tout de la laine. J'ai des fils que j'avais achetés en vide-grenier brillants que je n'utilise pas. Et en fait, j'aimerais bien les utiliser, mais j'y pense pas. Donc là, je les ai mis là bien visibles pour les utiliser. Ensuite, j'ai tous mes patrons de couture. Donc, j'en ai pas beaucoup pour le moment, mais c'est largement suffisant pour mon niveau. Après, en bas, j'ai des sacs à projets qui sont pleins de projets que j'ai mis en attente, notamment le pull de mon chéri. Derrière, j'ai un petit ventilateur parce qu'en gros, je mets mes projets quand je les ai lavés, je les mets à sécher sur mes tapis de blocage pour faire en sorte que ça sèche plus vite. Ben, je branche un petit ventilateur et celui-là, il est super bien parce qu'en plus, il est sur batterie. Donc, des fois que j'ai pas la prise à côté, super pratique. Là, j'ai un peu un bordel de couture. Des trucs qui traînent à chaque fois, je les mets là et après je finis par les ranger. Et là en dessous, j'ai un autre projet couture. C'est un gros projet en fait, voilà, qui est là, qui attend et qui est déjà découpé. Il y a tous les tissus à l'intérieur. Il faudrait juste que je me motive un jour à le faire. Ensuite, ici, on a tous mes tissus. Ils sont tous là. Donc là, ça c'est le plus d'avoir cette Kallax parce que j'ai pu regrouper tous les tissus que j'avais. Donc il y a un peu de tout. Donc là j'ai mis surtout des tissus coton que je peux utiliser pour des sacs à projet. Donc il y a aussi des velours mais des tissus assez fins et bien colorés. Là j'ai mis tous les autres tissus. Donc il y a du jersey. Donc ça c'est un jersey que j'avais acheté au Chat qui tricote. Il y a de la laine. Il y a du jean. Ça c'est une nappe de Noël. Du tissu d'ameublement. Et ça c'est des tissus genre voilage. C'est hyper fin. Un jersey trop stylé dans lequel je voulais faire un slip, enfin que je vais faire un slip pour mon copain. Ça, c'est du faux cuir, de la moumoute, enfin vraiment, j'ai de tout. Et ensuite, j'ai deux tiroirs en bas. C'est un peu les tiroirs. Donc, dans ce tiroir-là, j'ai ceci-là où je range mon parapluie si je veux, si j'ai besoin de le ranger. J'ai ce gros stock, un gros tissu. De laine que j'utilise en plaid, mais là je le range. Et là j'ai aussi surtout ça. Donc ça c'est de la lavande d'un jardin d'un copain qui nous l'avait donné en tige et j'avais tout mis. Ça avait été un boulot monstre quand même. Il y en avait vraiment beaucoup de tout mettre là. Et ça m'a donné des idées. En gros j'ai envie de tisser des petits pochons dans lesquels je mettrai de la lavande à l'intérieur, peut-être pour le Noël prochain, comme petit cadeau à faire. À la famille. Et après, le dernier tiroir, c'est mon tiroir bordel. Mais je l'aime bien, ce tiroir-là. En gros, c'est un tiroir où il y a tous les tissus. Genre, il y a des fringues, il y a des chutes de tissus. Mais c'est un peu le bordel à l'intérieur. En gros, à chaque fois que je finis de faire un truc, je mets là-dedans. Ou même qu'il y a des tissus qui me plaisent sur des fringues, bah, je mets là-dedans et après. Bah, quand je cherche quelque chose, bah, je fouille d'abord là-dedans. Ça dépend le tissu, mais si c'est pour des sacs à projet, des trucs comme ça, je vais d'abord aller fouiller là avant d'aller attaquer mes jolis tissus qui sont ici. Donc ça, c'est pour la partie de mon armoire Kallax qui est, bah, ma foi, super bien. Je regrette un peu. J'aurais bien aimé avoir eu un étage de plus finalement parce que, en fait, en hauteur, j'ai de la place. Mais bon, là, je l'ai quand même occupé. Mais ouais, enfin, ça se remplit assez vite, quoi. Ensuite, la dernière partie de mon atelier, c'est vraiment la table. Donc, la table, c'est une table que j'avais récupérée sur donon.org, qu'on a taillée. Enfin, c'est pas du tout une table d'ailleurs. En dessous, il y a une table de jardin, un truc très basique, pliable qu'on a jeté. Et là, c'est une planche en bois et que j'ai récupérée sur donon.org. Et en gros, je me suis mis ma petite chaise. Et je me suis fait mon petit truc, ma petite table de couture. Au moins, ma machine à coudre, en gros, elle est tout le temps là. Là, j'ai enlevé la protection. Normalement, je la protège parce qu'elle prend trop la lumière. Sinon, elle est protégée avec une housse. Et après, voilà, j'ai des petites pinces dans des petits bols à saké. J'adore, que j'ai ramené du Japon. Et voilà, donc, il y a Frida Kahlo ici qui m'accompagne dans mes projets couture et qui me juge quand je fais des bêtises. Et voilà, donc j'espère que le petit tour de mon atelier vous aura plu. Et j'espère y faire encore plein plein de choses à l'intérieur. Mais vous voyez quand même, c'est quand même pas mal, hein. C'est un petit coin sympathique.
et je m'y sens vraiment super bien. J'ai fini mon écharpe tissé hier soir et du coup là je vais m'atteler à ourdir une écharpe pour mon copain. Donc il a choisi ce bleu, donc c'est de la jawol et le numéro du coloris c'est ça, 83 0235, et donc ça sera en fil de chaîne. Et en fil de trame, il a choisi celle-là de Gusto Wool. Donc c'est une laine que j'avais déjà dans mon stock. Une laine à chaussettes. Donc qui est violet et il y a des endroits très bariolés comme là. Donc voilà. Et c'est lequel couleur celle-là? Coloris 1404. Donc voilà le prochain projet que je vais mettre sur mon métier à tisser. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et coucou, on se retrouve pour clôturer ce vlog et aujourd'hui, je reviens vous voir avec un objet terminé. Alors, j'ai terminé mon écharpe filée. Qu'est-ce que je dis? Tissée. Ça y est, je fais des lapsus. Alors, j'ai terminé mon écharpe tissée à la main. Elle fait... je l'ai même pas mesuré. Elle doit faire... Moi, je suis à 1m75 et quand je fais la largeur de mes bras, on a encore tout ça. Donc, elle fait, je pense, pas loin de 2 mètres. J'ai fait le point de Paris pour fermer l'écharpe. Donc là, on voit le tissage qui est, il est quand même relativement fin. Donc j'aime trop, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est une écharpe que j'ai réalisée dans les laines, laine paysanne, que j'ai achetée quand je suis allée en Ariège la dernière fois, dans leur boutique. D'ailleurs, ils ont peut-être jusqu'à ce week-end un pop-up à Aix-en-Provence et franchement enfin c'est des laines que j'apprécie énormément. Et si enfin, vous avez dû voir quand j'ai fait la visite de l'atelier, enfin, c'est des nanas qui sont vraiment investies dans ce qu'elles font, qui sont très contentes de faire ce qu'elles font et elles apportent de la nouveauté dans des métiers qui sont un peu anciens et qui semblent dépassés comme le tissage ou la laine en fait de pays quoi, et je trouve ça génial, vraiment vraiment ça me plaît énormément. Donc pour faire cette écharpe il m'a fallu 2 écheveaux de 390 mètres pour 100 grammes. J'ai pris la qualité de fil et c'est mon premier tissage. Vous n'êtes pas très droit. C'est mon premier tissage. Et en gros, je voulais m'entraîner à faire quelque chose de régulier, à avoir des bords nets. Et ma foi, ils sont pas trop mal. Et je l'ai porté pour le moment une fois, deux fois. Et en gros, quand je l'ai terminé, donc je l'ai sorti du métier à tisser, le truc était tout rêche, tout dur et tout. Je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va donner quelque chose de sympa, enfin qui me plaît quoi. Et au final, après le lavage, il n'y a eu aucun problème. C'est devenu doux, enfin doux, c'est quand même de la laine de pays, donc c'est pas hyper doux non plus, mais c'est devenu, comment dire, le drapé est plus sympa que quand c'est sorti quoi. Quand c'est sorti, c'était cartonné, alors que là maintenant, c'est un joli drapé. Et je suis contente parce que je trouve que la laine tissée, elle retient plus le vent. En gros, moi, j'habite dans le sud-est de la France. Il y a beaucoup de mistral. Et la laine tricotée, il y a des trous un peu dedans. Et le vent, il rentre. Donc, quand je me faisais des écharpes tricotées, ben, à vélo, c'est pas possible. Je trouve que le vent rentre malgré tout. Alors qu'avec ça, le vent, là, je l'ai testé. Ça fait vraiment... ça coupe le vent, quoi. Et même l'eau, quand j'ai voulu la mettre à tremper, au début, j'ai mis quelques gouttes d'eau du robinet dessus. Et ça a coulé sans rentrer dans le tissu. Donc en fait, ça a un peu un effet hydrofuge, je trouve. Après, c'est pas un KOE, hein, mais
Du coup, je trouvais ça... Enfin, j'adore. Elle est un peu basique. J'ai envie d'en faire plein. D'ailleurs, je vais vous montrer après. Il y en a d'autres qui sont... Il y en a une autre qui est en cours. Donc ça, c'est mon premier objet et mon seul objet terminé. Qui est cette trop belle écharpe. J'en suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je me vois déjà avec un objet tissé entre mes mains que quand là, ça se réalise, je suis trop refaite. Ensuite, je vais vous montrer mes deux seuls projets au tricot qui ont un peu avancé. Donc le premier... C'est mon pull à rayures, en yoke rayures. Donc j'ai fait... Donc pareil, j'utilise de la laine paysanne pour le gris et pour le ocre et le vert. C'est de la lanea, c'est une laine turque que j'avais achetée à Noz. Et pour ce faire, je fais le patron, un patron de Olga Putano mais qui a un jacquard ici. Et au lieu de faire le jacquard, moi je fais mes petites lignes. Mais du coup, j'ai les augmentations où il faut. Et il est hyper rêche. La laine paysanne, elle est rêche, mais ça va. Mais l'autre, il y a carrément de la paille dedans. Enfin, des fois, je tricote et je trouve un bout de paille dedans. Je sais pas si vous allez voir, là. Enfin, il y a de la paille, quoi. Et en plus, la paille, ça pique. Hein. Enfin, j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais jeune et quand on avait de la paille dans les chaussettes, ça nous grattait, quoi. Donc, j'espère que ça va aller. Après, avec un sous-pull, je pense que c'est largement portable. Je le tricote dans des aiguilles de 5 mm. Et pour le moment, il me reste ça de ma grosse bouboule que j'avais. Donc, je pense que j'aurai sûrement assez pour faire. Même, j'aurais peut-être assez que de la boule. Il me reste aussi un écheveau de... Il reste aussi un écheveau entier, donc bon, je pense que pour le gris, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les autres couleurs, il me reste ça pour faire mes manches. Donc je pense que j'aurai assez. Donc j'ai déjà utilisé une pelote et demie pour faire le corps. Et pour la version... Et pour les lignes vertes, il me reste encore à faire une ligne pour le corps. Et je pense qu'il me restera encore de celle-là et de celle-là pour faire les manches. Donc je pense que ça devrait le faire et je vais pouvoir le terminer. Par contre, clairement, je ne pourrai pas le porter cette année, enfin cette saison. Parce que là, il commence à nouveau à faire bon. Donc il sera porté pour la prochaine saison froide. Mais c'est pas grave. J'ai envie de le finir quand même avant cet été parce que je pense que... même avant le printemps parce que je pense que je ne pourrai pas le porter. Parce que je pourrais pas le tricoter, pardon. Donc, voilà tout pour ce patron. Ensuite, le deuxième projet qui a avancé, c'est un projet balade. Mon projet balade, je vous montre, ça a pris que quelques centimètres. Mais ce sont des chaussettes en jersey que je tricote avec la laine de mout dans le coloris charmant. J'ai l'impression qu'elles sont trop grandes pour moi. Faut que je les essaye, mais j'avoue que j'ai pas encore eu le courage de les essayer. Mais elles me semblent vachement longues. Quoique. À voir. Mais faut que je les essaye. Je l'ai pas fait. Ça, c'est pas bien. Donc, là, si elles me vont bien, je dois peser ma laine pour m'arrêter pile poil à la moitié. Donc, j'avais tout pesé. Donc, pour ça, il n'y aura pas de surprise. Et faire mes petites côtes et fermer ma chaussette et commencer la deuxième. Ça avance lentement parce que ben là je viens de reprendre un peu notre routine de balade. Avant, mon copain était en vacances donc on se baladait ensemble avec le chien donc il n'y avait pas besoin de tricoter. Dernier projet en cours que je voulais vous présenter, c'est un projet tissage. Le projet tissage que je fais... En ce moment, c'est une écharpe pour mon copain et il a choisi dans mon stage cette laine, donc qui est de la Gusto Wool. Cette laine que j'ai achetée dans ma boutique, ma mercerie à côté de chez moi à Avignon. Donc c'est de la Gusto Wool. Le coloris c'est 1404. Par contre, c'est de la laine qui est faite en Turquie, donc c'est teint à la main. En Turquie, donc il y a mieux, je pense, en... Il y a plus proche en laine, mais bon,
Elle a quand même l'avantage de ne pas être trop chère pour une laine teinte à la main. Je crois que c'est autour des 14,50 € les chevaux. Ma foi, ça fait le taf. Donc, j'utilise celle-ci. Et j'utilise aussi une laine de chez Lang Yarn, la Jawol. Je me rappelle plus le numéro, mais c'est un bleu. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est sur mon tissage. Oui, oui. Tadam ! Alors, c'est pas évident à montrer. Hein. Donc là, c'est ma navette. Donc on voit les variations de la laine. Elle est trop, trop belle. Et ça fait à peu près la même chose sur le tissage. Donc, je sais pas si je vous l'avais bien montré. Mon métier à tisser, il fait 50 cm de large, le peigne. Après, il est un peu plus large. Hein. 50 cm, c'est au niveau du peigne. Et le mien, il a la particularité d'être pliable. Donc ici, j'ai une petite manivelle. Enfin, une petite molette, plutôt. Et il me suffit de la dévisser. Et après, je peux le plier, je peux le ranger. J'ai une housse qui va avec. Et en gros, je peux ranger avec le projet dessus. Oui, je t'ai vu. Tu veux venir sur la vidéo, c'est ça, t'es jaloux. Allez. Alors, il y a Ginko qui veut vous faire un petit coucou. Ça y est, t'as arrêté de gueuler dehors. Moulou, moulou. Allez, je te repose. Je disais que il est pliable et que je peux le mettre, je peux le plier avec un tissage dessus. Ça, c'est vraiment très très bien. Même si pour le moment, il traîne dans le salon depuis que je l'ai reçu. Ça va que mon copain est patient et qu'il ne m'a rien dit encore. Et pour m'excuser de ça et du futur traînage, ça se dit pas du tout, mais du fait que dans le futur, mon métier à tisser, il va sûrement traîner un peu dans le salon, et ben je lui fais son écharpe quand même. Hein. Donc, ça c'est le métier à tisser, et je vais vous montrer. Et du coup, ça c'est son sac de rangement avec des poches là. Moi, j'ai celui-là. Et en gros, là, on le range. Et puis, il y a aussi les deux autres peignes. Mais pour le moment, j'avoue qu'il y a tout qui traîne dans le salon. Et c'est trop bien. Enfin, je suis... En vrai, là, je suis... Je sais pas si c'est le printemps, mais il y a une vibe qui arrive. Et qui me donne du feu à l'intérieur et... Et j'ai envie de créer plein de choses. Donc, pour terminer sur le tissage, parce que je vous les ai présentés rapidement en vidéo, mais je ne vous les ai pas présentés en vrai, enfin en face cam. Là, c'est les deux cônes que je me suis pris à laine paysanne à la boutique quand je suis allée à laine paysanne. Et c'est des cônes, donc je crois que, enfin ils font 1 kilo, il y a 1000 quelque chose de mètres, je ne sais plus, je vous l'écris en bas là. Et en gros, c'est de la laine qui est faite pour le tissage, pour faire des tapis. Et ben moi j'avais envie de faire des tapis ou peut-être des sets de table. Enfin, celle-là je pense que je vais l'utiliser pour faire un tapis et je crois qu'il faut 1 kg par ou 3 kg par mètre carré. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais en tout cas, je me suis pris les deux couleurs. Et c'est un fil qui est quand même assez épais. On peut pas faire de... C'est vraiment fait pour le tissage. Hein. On peut pas faire de choses pour... On ne peut pas... Je vais y arriver. On ne peut pas faire de vêtements avec. Parce que c'est un fil très rêche. Et résistant, en fait. C'est pas un fil traité, doux ou quoi. Donc là, on a deux races de moutons différentes. Parce que ça n'a pas la même couleur. Et si on a bien appris notre leçon sur les laines de chez Laine Paysanne, on sait que la couleur de la laine, elle, ça dépend de la race du mouton. Donc je crois que j'ai terminé pour le tissage.
pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous parler rapidement d'un festival laineux auquel j'ai participé le week-end dernier, un petit festival laineux qui avait lieu dans ma région. Et donc, c'était le salon de fil en aiguille. Et c'était à Cadorousse, donc un petit bled pas trop loin de chez moi. Et en gros, j'y suis allée à ce salon, il pleuvait et tout, et je me suis dit, bon, ben, on va aller faire un tour, même si je savais qu'il n'allait pas avoir de teinturière et tout ça, histoire d'aller voir un peu ce qu'il y a. Et j'ai été très agréablement surprise parce que ben, j'ai réussi à me trouver quelque chose qui m'a trop attirée. Et ben, je vais vous présenter tout de suite. Donc c'était sur le stand de filet à l'anglaise. Et je vais vous mettre tout de suite quelques images de ce petit salon et du stand de filet à l'anglaise. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Vous avez vu, c'était un salon qui était assez petit, mais ce stand-là, il était blindé de choses. Donc elle mettait des laines au final qu'elle avait teint elle-même et qu'elle avait même filé elle-même. Et franchement, elle a été adorable avec moi. Elle m'a expliqué, elle m'a montré comment on fait pour filer. Donc vous vous doutez bien que je me suis pris un kit avec un fuseau et un peu de laine blanche pour m'entraîner à filer. Et c'est pas évident. C'est pas sorcier, mais il faut avoir le truc, quoi. Donc j'ai cette première laine qui est hyper douce. Ça doit être du mérino, je pense. Et il faut que je m'entraîne à filer avec ça. Donc j'ai déjà fait un petit peu. Mais enfin, c'est pas très régulier. Mais après, est-ce que vous me voyez venir de ce que je veux faire avec? Donc, ça donne ça. Et en gros, moi, je débute. Hein, et ma question, c'était, est-ce que on peut tisser un fil single qu'on vient de retordre une seule fois? En gros, moi, je voudrais avoir un fil comme ça. Je veux pas de fil plus épais. Donc j'ai pas envie de retordre deux fils ensemble. Donc, comment je fais pour pas que ça fasse ça? Parce qu'en gros là, je peux pas le tisser parce qu'il rebique sur lui-même. La tension, elle est... Ou il y en a trop peut-être? Je sais pas. Je suis débutante, hein. Enfin, pour le moment, je m'entraîne à filer. Et du coup, comment je peux faire pour tisser ce fil-là sans avoir à le retordre une deuxième fois? Donc le fuseau que j'ai acheté, c'est elle qui le fait avec son mari. Donc c'est un truc un peu artisanal. Mais pour commencer, franchement, c'est très bien. Puis il est marrant, il a un petit truc noir là. Et il y a plein de vidéos sur internet qui nous montrent comment filer. Elle m'a montré en vrai aussi. Il faut s'entraîner, donc j'ai quand même ma mèche blanche là pour m'entraîner et tout ça. Mais j'avais un... En fait, voilà, j'ai vu ça et dans mon cerveau, ça a fait... explosion d'idées, à tel point que en sortant de là, j'ai failli avoir un accident de voiture, pas trop grave, mais j'étais tellement, mon cerveau était tellement concentré à et si je fais ci, et si je fais ça, et nanana, que j'étais pas concentrée sur la route. Et du coup, l'idée était avec ça, donc je me suis acheté un, je sais pas comment on appelle ça,
une tresse de laine, 200 grammes, il y a à l'intérieur. C'est elle qui fait la teinture. Et c'est de la laine auroise, si je le lis bien, auroise française. Et avec ça, j'aimerais, et avec ça, j'aimerais filer. Donc vous voyez, ces deux couleurs, elles vont trop bien ensemble. J'aimerais filer une écharpe. Enfin, en gros, ça, il faut que je le prenne avec moi tout à l'heure parce que je vais aller à ma mercerie locale voir s'il n'y a pas un petit écheveau qui pourrait aller avec. Et j'aimerais filer à la main du fil pour faire une écharpe pour ma mère, pour la fête des mères. Une écharpe que, dans laquelle il y aura à la fois du fil industriel, du fil que moi j'aurais filé, et faire un petit mélange de tout ça pour qu'il y ait un côté un peu bimatière et tout. Mais encore une fois, il faut que j'arrive à filer correctement. Et là, je vois la différence entre ça et ça. Ça, c'est du mérino. Et clairement, c'est d'une douceur. J'adore. J'en profite pour vous présenter le troisième animal de cette maison qui est Lafayette. Il était en train de traîner là autour de mon métier à tisser. Donc ça, c'est le chat de mon copain qui est un peu notre Garfield de la maison. Parce qu'à part manger et dormir, il n'aime pas trop les câlins. Donc, et il se contrarie assez vite. Ensuite, je me suis pris ça, une autre mèche. Elle m'a plu, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais pareil, peut-être une pochette ou un coussin ou quoi. Mais le but, c'est pas de la tricoter, c'est de la tisser. Donc voilà tout, voilà mes achats dans ce salon où je pensais que je n'allais rien acheter. Eh ben, au final, je suis revenue assez chargée. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Ouais. Du coup, je voulais vous remercier d'être toujours là, de regarder mes vidéos et de commenter sous mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions ou à m'aider si vous voyez que j'ai dit une bêtise sur quelque chose, ça peut m'arriver. Et surtout me conseiller pour le filage. Je suis ouverte à tout conseil. Là, je me suis trouvé un petit bouquin sur le sujet et je vous le présenterai la prochaine fois. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye bye! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.